L'Épagneul Picard est une race de chien originaire de Picardie en France. L'Épagneul Picard est un beau chien, fort, élégant, nerveux, solide et bien musclé. Sa robe est grise avec des plaques marron sur les diverses parties du corps avec souvent du feu à la tête et aux pattes. Ses yeux ambre foncé sont bien ouverts lui conférant un regard expressif. Son poil abondant et légèrement ondulé lui confère une protection le rendant apte à travailler dans les endroits les plus difficiles et notamment à l'eau. Les oreilles sont longues, assez basses, attachées dans la ligne de l'œil et ornées de belles soies. Le fouet garni de belles soies est porté avec distinction. Sa taille se situe entre 55 et 60 cm, très familier, c'est un compagnon fidèle qui aime vivre avec son maître et adore les enfants. Comme la plupart de leurs congénères, l'origine des Épagneuls est très controversée. Pour chasser dans les vallées humides de la Picardie, il a fallu créer un chien rustique, à la robe dense et imperméable pour le protéger du froid et de l'humidité. C'est ainsi qu'on peut aujourd'hui prétendre que c'est certainement l'Épagneul Picard et le plus vieil Épagneul français amélioré. Des documents signalent son existence dès le début du 19e siècle. C'est en 1901 qu'il a été reconnu comme race distincte parmi les Épagneuls de France. C'est avant tout un chien de chasse qui a besoin de beaucoup d'exercice pour exprimer son énergie, son endurance et sa rusticité. Son éducation se fait naturellement, l'Épagneul Picard travaille pour faire plaisir à son maître. Le rapport, sur terre et en eau profonde, est un plaisir pour lui. Les récompenses, caresses et compliments sont à la base de son éducation. L'Épagneul Picard est un chien intelligent qui a un bon tempérament. Il cherche toujours à faire plaisir à son maître, ce qui facilite son éducation. Son goût pour le travail et le jeu sont à exploiter. L'éducation doit cependant être ferme, cohérente et douce. C'est un chien facile à éduquer en règle générale, que l'on peut même conseiller comme premier chien. L'Épagneul Picard est un chien facile à entretenir. Un brossage par semaine est suffisant pour garder sa robe et son poil propre. Le brossage est à intensifier en période de mue. Après la chasse ou au retour de promenade, il faut penser à inspecter ses oreilles, ses yeux, son pelage et ses coussinets pour vérifier qu'il n'y a pas de débris, parasites ou blessures. Les yeux et les oreilles doivent être nettoyés régulièrement, d'autant plus qu'il est sujet aux otites. On peut aussi lui brosser les dents et lui couper les griffes si elles ne sucent pas naturellement. Chien très résistant, l'Épagneul Picard jouit d'une bonne santé. C'est un chien qui supporte les climats rigoureux et les intempéries. Toutefois, il faut penser à la préserver en cas de forte chaleur. Chien aux oreilles tombantes, il est sujet aux otites. Il faut donc vérifier régulièrement ses oreilles et les nettoyer avec une lotion adaptée. S'il chasse et va dans l'eau, il faut penser à lui sécher les oreilles ensuite. Des rations équilibrées, qui tiennent compte de nombreux paramètres, peuvent être apportées par une alimentation traditionnelle, si elle est parfaitement équilibrée, mais également par les aliments complets industriels, croquettes. C'est un chien qui peut être glouton. Il est important de bien surveiller l'alimentation de l'Épagneul Picard pour éviter les problèmes d'obésité. Ces rations doivent être de bonne qualité et sont à distribuer en deux fois par jour. Elles doivent également correspondre à son âge, sa taille, son état de santé et son niveau d'exercice. Maladie de l'Épagneul Picard, pancréatite aiguë,
La pancréatite aiguë ou inflammation du pancréas se manifeste par ces symptômes, perte d'appétit, vomissement, diarrhée, léthargie et douleurs abdominales. Au moindre doute, appelez votre vétérinaire. Les autres maladies de l'épagneul picard, la pyroplasmose, les piqûres de tiques peuvent provoquer une pyroplasmose. Cette maladie grave peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement. Fièvre, abattement, urine de couleur anormale chez votre chien doivent vous alerter. Ce chien a généralement une santé solide. Mais il peut souffrir de dysplasie de la hanche ou d'arthrose. En bon chien de chasse, l'épagneul picard a souvent la truffe dans les herbes et les buissons. Il peut alors s'enfoncer un épillet dans le nez. S'il éternue ou secoue sa tête comme pour enlever quelque chose, emmenez votre chien chez le vétérinaire. Il pourra procéder à une rhinoscopie ou une otoscopie sous anesthésie, si nécessaire. L'épagneul picard en bref, espérance de vie, entre 12 et 14 ans, poids, entre 18 et 23 kg pour la femelle et entre 20 et 25 kg pour le mâle, taille, de 55 à 60 cm pour la femelle et de 55 cm à 62 cm pour le mâle, silhouette, longiligne, poil, mi-long, ondulé et épais, robe, gris moucheté avec des zones marron et des marques feu, caractère, affectueux, calme, intelligent, docile, origine, France, type, brachoïde. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.